Vite fait, puisque là ce qui s'est passé, alors j'ai pas pris beaucoup de temps plus tard, vous voyez, comme quoi il se passe toujours quelque chose. Grève, tutoriel, grève, super. Si la stabilité est basse, vos travailleurs se mettront en grève. Les bâtiments touchés par une grève cessent de produire. Ce qui s'est passé, c'est que là ils sont mécontents car il y avait des personnes qui n'ont pas eu à manger. Pourtant, je commence à être en positif, mais bah c'est le temps que les stocks se refassent. Voilà. Ça a mis un peu de temps, trop de temps, et du coup ils se sont mis en grève. Donc ce qui se passe, c'est que là j'ai trois bâtiments en grève. Donc c'est des entrepôts, donc entre guillemets ça va, rien de grave, mais c'est purement aléatoire. Hein. Ça pourrait être les SACEVA, ça pourrait être pire, les infirmeries, ça pourrait être vraiment très embêtant. Très 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 embêtant. Enfin de toute façon, c'est embêtant. Mais là ce qui s'est passé, c'est voilà. Donc c'est pour ça que attention, quand ils sont en colère. Il peut y avoir des grèves. Alors, de mémoire, ça crée pas de mort, sauf s'ils bloquent les infirmeries, c'est couillon, mais voilà. Alors, ce que j'étais en train de faire, du coup j'en profite pour vous expliquer, parce que là je manquais d'alliage. Alors, vous voyez, je suis à 445, les panneaux solaires sont construits. Donc là, il est beau, il commence à avoir une belle forme, hein, ça, et une belle gueule. Il est beau, mon tycoon. Très très beau, mais il est pas fini. J'ai commencé à détruire quelques bâtiments, puisque bah, je me le permets, puisque j'avais déjà l'habitat cellulaire. Avec 125 emplacements, j'ai commencé à détruire ça pour me refaire un petit stock d'alliage parce que j'en ai besoin pour l'entretien et j'en ai besoin également pour finir mon lanceur de sonde. Et ici, j'avais les deux fonderies qui faisaient des purges. Je voyais que là c'est tout neuf, ils sont à 1 tous les deux. Très mauvais timing. Là pour le coup, j'y peux pas grand chose, hein, malheureusement, c'est comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser que je peux peut-être en couper un. Ah non, même pas. Voilà, et comme là c'est neutre, je vois que je suis à plus 0,3 de confiance, plus 0,3, mais là ils sont en colère, je suis à moins 2,4, ça fait que je suis à moins 1,9, donc là la confiance a baissé, je suis passé sous les 80%. Alors c'est pas grave, 80% c'est encore bon, mais attention. Et merveilleux, eh bien, comme ça je vais pas vous lâcher tout de suite. Tiens. Centre DLS, c'est parti, c'est maintenant. Alors centre DLS, comment ça marche, comment on fait? Normalement, ça c'est le secteur où sont les plus gentils. Mais là, j'avoue que je sais pas par lequel commencer. Hein. Je commence à hésiter. Ils sont vraiment énervés là. Hein. Centre DLS, où est-ce que je commence à le construire? Ici, ils ont encore beaucoup de choses à construire. On va les laisser faire d'abord la nourriture. On est à 111%, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais c'est toujours pas bon, il me faut 37 de nourriture, il me faut, pour nourrir tout le monde, et on n'y est pas encore, là. Enfin, bref. On va faire le centre DLS. Alors, attendez, est-ce que j'avais enlevé mon petit Excel? Voilà, hop, c'est, je l'ai remis. Efficacité, rapidité. Centre DLS. Je le mets là. S'ils peuvent le construire rapidement, c'est bien, mais ça m'étonnerait que ce soit fait tout de suite. Ou alors je crée plus de sans-abri. Cette phrase. Là en recherche, ce que je recommande après les quartiers optimisés. Donc là pour moi on aura fait déjà toutes les recherches que j'estime prioritaires pour ce chapitre. Là après c'est anticiper, c'est prendre de l'avance sur la suite. Alors ce qu'il y a à faire c'est
pour la suite, exosquelette et appareillage haute pression pour les vaisseaux scientifiques. Sinon, vous serez coincé lors de certains points d'intérêt. Donc, allez, c'est parti. Exosquelette, ce sera lui. Donc là, il faudra juste cumuler suffisamment d'alliages. Mais on va d'abord prioriser la construction de cette chose-là. Je manque cruellement d'alliages. C'est une catastrophe. J'arrive même pas à maintenir le tycoon. Comment faire? Je pourrais détruire d'autres bâtiments. Ah ok, là on voit qu'ils sont bons, ça y est, ils sont bons. Hein, en termes de réserve. Et du coup, ce que j'ai fait un petit changement. Je l'ai mis 15 en stock. Pour qu'ils aient un petit peu de stock déjà, qu'on recommence à renflouer un peu. On voit qu'on est de mieux en mieux. Ici, je peux pas me permettre de détruire grand chose. Le fer arrive. Ça prend son temps, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais. Mais quand même, hein. Ici, donc on a les deux habitats cellulaires. C'est vrai que ça a pas mal ralenti, ça. Parce que j'ai fait des habitats cellulaires et ça prend 90. Mais au moins, j'ai logé tout le monde. Et puis, ici, évidemment, c'est une pompe à alliage terrible. On en a besoin en quantité astronomique. Il y aurait la thématique à respecter. Tac. Bon, maintenant que ça va mieux, ils ont bien mangé. On va les déloger. Non. An accident has occurred in the typhoon. Je parlais pas de vous, hein. C'était secteur 1. non, je pense qu'il faut juste que je sois patient. Écoutez, on se retrouve dès que le centre DLS est construit. A tout de suite. Et heureux, on se retrouve pour apporter une petite précision sur un élément. Là, vous voyez que Fierté, donc mon vaisseau minier Fierté, a gagné de l'expérience. Du coup, désormais, il récupère les ressources à raison de 36 par cycle. Donc en fait, c'est juste que par cycle, il va extraire plus de ressources. C'est juste ça. J'ai continué, j'ai renvoyé des sondes pour aller récupérer davantage de fer, mais plus proche de là où je suis, et de la glace près de Jupiter, puisqu'on va aller à bordure du Jupiter. Et surtout, mon premier centre DLS est bientôt terminé. Et ça y est, on va pouvoir commencer à faire des décrets. La politique, c'est maintenant. Donc alors, cet onglet-là, c'est strictement la même chose que ça. Donc, secteur 1, vous voyez, secteur 2, secteur 3, 4, 5, 6. Bon, il n'y a pas de centre DLS, donc voilà. Mais sinon, spécialisation. Donc ici, nous sommes espace tier 1. Le secteur gagne automatiquement des bonus lorsqu'il contient un certain nombre de bâtiments du même type. Donc là, comme ici on a une spécialisation espace, les effets sont les suivants. Le chargement et le déchargement de ressources à la baie d'amarrage sont plus rapides de 30%. Et la réparation de la coque est 10% plus rapide. Donc voilà tout l'intérêt de mettre plein de Saseva ici, c'est que du coup on est encore plus efficace, c'est encore mieux. Pour les décrets que l'on peut faire, il y a plusieurs catégories. Donc la catégorie propagande. En fait, il n'y a aucun monde où je ne vous recommanderais pas de faire de la propagande. Moralement, pour vous aider à assumer plus facilement, il y a de la propagande quoi qu'il arrive. C'est juste que là, elle est normale. Juste, rendez-la intense. Mais il y a de la propagande. Hein. Vous ne pouvez pas ne pas faire de propagande. Donc quitte à en faire, autant faire ça bien. Donc voilà. En fait, son effet, c'est la stabilité va augmenter, va avoir un bonus de plus 2, mais la contrepartie, c'est que les décrets, normalement, c'est un décret tous les 10 cycles, là, ce sera un décret tous les 15 cycles. Mais très sincèrement, c'est anecdotique, on peut attendre 15 cycles sans problème. Ensuite, la nourriture. Restriction, je le fais pas souvent, je m'arrange pour avoir assez de nourriture pour tout le monde la plupart du temps, et donc ça se passe très bien, mais si vous voulez, si on est en dèche, de nourriture, on peut restreindre les gens.
c'est-à-dire les rationner, une unité de nourriture pour 16 membres d'équipage. Alors que là, normalement, c'est une unité pour 10 membres. Sinon, on peut être très généreux, si jamais la stabilité n'est pas folle dans votre tycoon, dans votre secteur, on peut faire une unité de nourriture pour 7 membres d'équipage. On peut faire ça. Souvent, alors moi, ça, j'y touche pas trop, généralement, sauf si vraiment je vois qu'il y a un secteur où ça devient compliqué, ou si la nourriture, j'ai fait une erreur, j'ai pas géré, j'ai pas été assez vigilant, ou là, bah, on peut être en restriction. Mais faudrait que ce soit temporaire. Heure de travail, les premiers temps, j'aime bien mettre en intense. Ici, on a un bonus de plus d'instabilité, je me permets d'avoir un moins 1. Au début, c'est pas trop gênant, mais par contre, ça nous aide énormément. Surtout pour tout ce qui est le secteur 2 avec les usines qui prennent beaucoup de monde. Ça nous permet un gain énorme et même d'ailleurs le secteur 3 à vrai dire. Je recommande dans un second temps de prendre des heures de travail intenses. Alors ça créera pas d'heures supplémentaires etc etc. Ça va rester en, si vous voulez, ici ça restera en optimal si vous voulez. Donc il n'y aura pas l'effet négatif. Le seul effet négatif que ça aura, c'est on va perdre 1 en stabilité. Mais les bâtiments auront besoin de 25% de travailleurs en moins, ce qui est énorme. Sur un bâtiment de 30, 25% en moins, c'est quand même assez conséquent. C'est pas loin de 10 personnes quand même. Recyclage les décès. Recyclage des corps, je l'ai jamais fait. Parce que déjà, moralement, je trouve ça horrible. Mais voilà, on pourrait recycler les corps. Les corps, les décès pourraient être des déchets. Je devais faire en sorte d'avoir le moins de décès possible, donc même si je l'activais, je perdrais la stabilité pour rien, puisque il n'y aura pas de mort. Hein. En tout cas, c'est mon objectif. Donc ça, moi, de mon côté, j'oublie. Recyclage des déchets, on le fera, et je vous recommande vivement de le faire. À un moment, ce sera même super important de le faire, mais pas maintenant, c'est trop tôt. C'est trop tôt, c'est le recyclage des déchets, mais pour ça, il nous faudra une déchetterie, etc. On verra ça dans le chapitre suivant. Mais il y aura un secteur même dédié aux déchets, hein, carrément. Donc oui, on le fera, mais pas maintenant, c'est trop tôt. On n'est pas prêt. Politique de la faim. Alors, c'est juste s'il y a des membres d'équipage qui sont affamés, est-ce qu'ils continuent à travailler ou est-ce qu'ils restent chez eux. Ça, j'y ai absolument jamais touché. Parce que pour moi, les gens mangent et si jamais il n'y a pas assez à manger, je joue là-dessus, sur la nourriture. Restriction ou généreux. Ah, juste en touchant à ça, j'ai toujours réussi à m'en sortir. En fait, ça, j'y ai jamais vu un quelconque intérêt, j'y ai jamais touché. Santé, pareil, j'ai 2 infirmeries. Au bout d'un moment, on aura un centre de soins. J'ai jamais eu de problème. Donc, pareil, j'ai jamais besoin de toucher à ça. Je laisse en normal. Là, je reste en rester chez soi. Avec cryopode en attente. Stabilité moins 3, c'est très cher payé pour prioriser les travailleurs. Je trouve que stabilité moins 3, c'est trop cher payé. Du coup, je préfère ne pas y toucher. Dommage, c'est pratique, mais très sincèrement, encore une fois, je suis pas pressé, comme j'arrête pas de vous le dire. Donc, c'est pas grave en fait, on attend et puis on nourrit tout le monde et puis voilà. Mais stabilité moins 3, c'est beaucoup trop cher payé. Donc, en vrai, c'est même pas que je dirais on s'en fiche, c'est vraiment que je le déconseille très fortement. Parce que vous verrez que ça a beaucoup d'effets négatifs, même le recyclage des déchets, ils sont pas contents, ça crée une instabilité. Vous voyez, moins 1. Bref. Donc non, vraiment, faut pas faire. Ça, on s'en fiche, ça, faudra le faire, mais pas tout de suite. C'est comme vous voulez, mais si vous jouez pas trop mal et qu'il n'y a pas trop de morts, il n'y a pas d'intérêt. Là, travail intense à faire dans un premier temps, mais si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. Ça, vous gérez, vous jaugez par rapport à votre quantité de nourriture, mais si vous pouvez rester en normal, c'est bien. Si vous avez besoin, vous pouvez même mettre en généreux, si jamais vous avez suffisamment de nourriture. Si vous avez su anticiper la nourriture et que vous avez besoin de stabilité, mettez généreux. Hein. Et ça, par contre, propagande, mettez en intense, en fait, tous les jours, en fait. Hein. Voilà. Et je vous le dis, moralement, vous faites pas du mal, dites-vous qu'il y a de la propagande quoi qu'il arrive. Donc voilà, faites les choses jusqu'au bout. Grâce à ça, vous voyez qu'on a un plus 2 venant de la politique sur propagande. Donc là, on a 2. Donc les gens sont heureux, voilà, tout simplement. Et donc ça, strictement pareil pour le secteur 2.
Et strictement pareil pour le secteur 3. Et ici on voit que ça a quand même pas mal avancé, on est cycle 231. Par contre ça c'est pas nécessaire pour le moment. C'est pas nécessaire. Les batteries je les ai mis à la fin, ça c'est en train de se faire construire. Donc ça a pas mal avancé, hein. Mine de rien, ça fait son petit bonhomme de chemin. Tout ça je l'ai mis en pause. Donc voilà, là, de mon côté, il y a eu des accidents par-ci par-là, mais rien de dramatique. Donc ce que je vais faire en off, donc dès que je pourrai refaire un décret, on a déjà fait quasiment la moitié du temps, juste en parlant, je vais mettre du coup heure de travail, voyez stabilité moins 1, je vais pouvoir me le permettre puisque je suis à 2. Sachant qu'après, alors on le verra plus tard, ce sera plus intéressant dans le chapitre suivant, mais on aura des centres de vie alternatifs et des mémoriaux à construire éventuellement. C'est quasiment une obligation, mais ça va nous aider à gérer la stabilité. Vous voyez, fournit plus instabilité, là aussi, enfin bref, voilà. Il y a des petites choses qu'on verra plus en détail un peu plus tard. Le fer, ah oui, ce que je voulais vous dire, j'ai refait une sonde par là, j'ai vu qu'on avait beaucoup de fer par ici. Et du coup, c'est une aubaine, mais c'est dommage que je ne l'ai pas vu plus tôt, parce que c'est un peu poussif, le fer, ça avait du mal à arriver, parce qu'il y avait un temps de trajet, ils allaient le chercher par là, c'était long. Là, vous voyez, du coup, c'est super rapide maintenant. Donc, plus de problème d'approvisionnement en fer, même on est très efficace, et là, ça dépote. Là, ça dépote grave. Et ça fait plein de monde, ça bouge, ça vit, j'aime bien. Ça sert à rien, mais j'aime bien. Là, vous voyez qu'on est en neutre ici, donc la propagande va être très intéressante. Et ici, pareil. La propagande, ça va être top. Évidemment, ne sortez pas ces phrases du contexte, s'il vous plaît. Je me réveille que maintenant. Mais la propagande, c'est top, ok? Oh, misère. Qu'est-ce que je raconte? Non, mais c'est vrai, dans le jeu, en tout cas, dans le jeu. Voilà. Et donc, ensuite, une fois que tout ça sera construit, on va construire les batteries. Les batteries qui nous permettront de déplacer le Tycoon. Que ça va nous servir à ça, je crois que j'ai déjà dit, mais dans quel épisode, j'en sais rien. Mais ça va nous permettre de déplacer le Tycoon. L'énergie, ici, sera plus disponible. Et donc, les batteries vont nous permettre de tenir un certain nombre de cycles. En fonction du coût en énergie de tout ce qu'on a et de la capacité de nos batteries. Enfin bref, il y a un savant calcul qui va être opéré pour savoir combien de temps vont durer nos batteries par secteur, parce que c'est bien par secteur, hein, donc ça sert à rien de faire un secteur dédié aux batteries par exemple, ça n'aurait aucun sens. C'est bien les batteries par secteur qui comptent. Donc voilà. Je vous retrouve, du coup, nouvelle ellipse, je vais faire tout ce que je vous ai dit, et puis on se retrouve tout à l'heure, une fois que les batteries seront construites. Administrator, a new request awaits your attention. Ah, re tout le monde, on se retrouve, et une petite quête qui vient d'arriver là. Avancer ou mourir. Administrateur, les algorithmes Klein Munchi ont identifié que le fait de rester trop longtemps dans un système accentue les symptômes du mal de la Terre morte. Ce traumatisme collectif ne guérira pas tant que l'équipage n'aura pas devant ses yeux son nouveau foyer. Nous ne pourrons pas rester infiniment dans un système qui ne porte aucun espoir pour l'humanité. Malus de stabilité moins 1 permanent. Alors ça c'est très intéressant. Puisque donc en effet ça va se rajouter là, donc on a un malus de moins 1. Mais c'est pas très grave puisque lorsqu'on va changer de chapitre, ce malus là va disparaître. Et de mémoire il est pas cumulatif. Après, ou alors je suis jamais resté suffisamment longtemps, je suis jamais éternisé suffisamment longtemps pour les cumuler. Mais du coup voilà, faut savoir que ça peut arriver. Au bout d'un moment, à force d'attendre dans un système solaire, on va commencer à cumuler une relative instabilité. Optimal et heureux, et j'ai un accident. Ah ouais, mais le problème c'est qu'ils sont nombreux à être j'ai
J'ai 31 membres d'équipage qui sont blessés. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et je suis même pas sûr d'avoir le temps. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé d'avoir besoin d'en faire un troisième. Mais sincèrement, je suis même pas sûr d'y arriver en plus. Hein. Est-ce que j'aurai le temps avant qu'il décède? Là, ils sont pas prêts de guérir, là, tous. Hein. Bah, suffisait que je vous reparle pour que ça y est. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui portent la poisse? Est-ce que parmi vous, il y aurait un chat noir? Statistiquement, c'est probable. Du coup, ce que j'ai commencé à faire. Donc ici, j'ai fait ce que j'avais dit. Donc j'ai mis de travail intense. Ce qui m'a libéré beaucoup de monde pour les mettre ici. Donc là, ici, j'ai plein de personnes. Ce qui m'arrange parce qu'avoir plein de personnes à nourrir ici, c'est absolument pas un problème. J'ai essayé de remplir les stocks de nourriture de tous les secteurs. Bon, là, ça se voit pas parce qu'ils ont mangé il y a pas longtemps, visiblement. Mais en gros, j'ai mis carrément 100. Voilà. J'ai mis 100 parce que je peux me le permettre maintenant. On est à 119%, mais depuis le temps qu'on est excédentaire, depuis le temps qu'on arrive à faire plus de nourriture que ce qu'on consomme, ça va, je peux me le permettre. Donc je vais essayer de me faire un maximum de nourriture pour me préparer pour le chapitre suivant. À mon avis, ils n'auront pas le temps. Hein. À mon avis, ils n'auront pas le temps. Hein. J'ai peur qu'ils décèdent. Hein. Sachant que j'ai eu... Je vous ai pas montré du coup, mais il y a eu d'autres accidents malencontreux et du coup je suis à 8 décès. Bon, ce qui est toujours dans mes objectifs, mais c'est pas incroyable. Donc, ce serait bien que ce soit vite construit. Mais sinon ça a pas mal avancé. Donc là je commence à cumuler de la glace. Donc j'ai modifié légèrement ici pour qu'on aille me chercher un peu de glace. J'ai trouvé un coin avec de la silice. Un coin reculé avec de la silice. Il est reculé, hein, voilà, bon. Mais il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, donc faut en profiter. Et petite chose, je crois pas l'avoir dit, mais surtout le chapitre 1, vous voyez typiquement ce genre de zone où il y a écrit modéré, où vous voyez que ça monte pas très haut, n'y envoyez pas de sonde, pas durant ce chapitre. Les chapitres d'après, pourquoi pas, si vous voulez, faites-vous plaisir, perdez votre temps. Parce qu'en fait, il y a tellement peu de ressources que c'est pas... très intéressant finalement. Et puis bah, des polymères on en a pas à l'infini non plus, surtout durant ce chapitre là donc voilà, moi je vous déconseille de prendre le reste. Si vous prenez vraiment, faut qu'il est élevé et que ça monte assez haut, hein. Mais voilà, sinon prenez pas l'hydrogène, prenez pas, hein. Vraiment, chapitre 1 hydrogène, vous n'y touchez pas, ça ne vous concerne pas, j'ai envie de dire. Ils ont eu le temps. Je vais pas vous quitter sans avoir le fin mot de l'histoire. En tout cas, si c'est pas bon, ça se jouera pas à grand chose. Hein, mais j'ai pas envie de passer à 9 si vous voulez. Ok. A priori, c'est bon. On est à quelques sans-abri. Il me manque de l'alliage, c'est toujours pareil. Mais vous voyez, le temps passant, mine de rien, là, parce que il n'y a plus de science à récupérer dans le système solaire. Mais juste grâce à l'amélioration promotion d'assistant, bah déjà j'ai eu le centre DLS et j'ai quasiment mon quartier optimisé. Je pense que je l'aurai avant de quitter le chapitre. J'aurai mon quartier optimisé, ce qui me permettra de loger plus de personnes. En attendant, on essaye de finir de construire tout ce qu'il y a à construire, de cumuler de l'alliage et faire nos batteries. Ça prend du temps, vous voyez, on est déjà cycle 248. J'avais prédit cycle 300, plus ou moins 50. Après, là, on est à un moment où on n'est pas pressé. Éventuellement, on serait pressé s'il n'y avait plus rien à miner, mais surtout à récupérer. Ce qui n'est pas le cas. 2500 encore en fer à récupérer. Voilà. Pour ceux qui me demanderaient pourquoi je fais pas une troisième fonderie, eh bien, vous auriez raison. Sauf qu'il faut le faire au bon moment.
C'est-à-dire qu'avant, c'était délicat, on n'avait pas beaucoup de personnes. Alors là, j'ai beaucoup de personnes blessées, ce qui fait qu'ils font des heures sup. D'ailleurs, je vais bientôt pouvoir passer le décret pour faire du travail intense. Et ça va aller beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Surtout dans ce secteur-là où, encore une fois, ça coûte 30 personnes quand même. Hein. C'est énorme. Je crois que c'est juste ça, c'est 15 personnes, mais c'est quand même pas mal. Je vais pouvoir passer le décret. Et là, éventuellement, je vais pouvoir faire une troisième fonderie. Ah, on respire. On passe de... Il m'en faut requis 111 et j'en ai 146. Et c'était pas suffisant. Hein. 146, c'était pas suffisant. Et ça prenait en compte les 31 qui étaient blessés. Hein. Donc, vous voyez. Donc là, ça nous laisse largement, en effet, de quoi faire une troisième fonderie que je vais faire de ce pas pour gagner un peu de temps. Mais là, en fait, j'en profite. Après, je la détruirai, celle-là. Est-ce que j'ai assez de composants? Oui. En plus de ça, dès que je pourrai, je détruirai une infirmerie ici. Ce qui me libérera 40 d'alliage. Donc ouais, l'idée c'est là, c'est calme, on est peinard. On a plein de fer à disposition. Polymère, on n'y touche plus, donc on ne crée plus de vaisseaux. On n'envoie plus de sondes, sauf si vraiment... On fouille et on tombe sur un point qui est vraiment trop cool, trop top et qu'on veut absolument. La glace, moi j'en ai... La glace, j'ai déjà vu. J'en ai 637 à miner et j'en ai encore 166 à récupérer. Et j'en ai encore 637 à miner. Donc j'ai bien plus que ce qu'il me faut, que ce que je stockerai. Puisque là, moi, l'idée, c'est de remplir ces 4 entrepôts-là. Lui, d'ailleurs, étant déjà plein. Ce qui me fera 400. Hop, d'ailleurs. Je vais remplir ça. Je compte éventuellement en remplir un ici. Voilà, parce que bah, c'est aussi... Cette zone-là, avec toutes les baies d'amarrage, sert aussi d'entrepôt, hein, quelque part. Donc, je vais en stocker un peu là. Si vous comptez bien, ça me fait donc 500. Donc j'ai déjà plus que ce qu'il me faut, plus que nécessaire avec tout ça. 2553 de fer encore à récupérer. J'ai toujours un peu de silice à récupérer, donc je vais m'en servir. Donc aucune raison de changer de chapitre pour le moment. On va continuer. On se fait des réserves de nourriture jusqu'à ne plus savoir qu'en faire. Ici, je suis en neutre. Du coup, prochain décret, typiquement, ce que je vais faire... Alors, je suis en neutre, typiquement, parce qu'on a le, parce qu'on est resté longtemps dans ce chapitre-là. Du coup, ce que j'ai prévu de faire ici, c'est mettre généreux pour la nourriture. Ils vont manger un peu plus ici. Ce qui est absolument pas gênant, du coup. Hein, c'est pas... Puisqu'on est excédentaire, on fait 119%. Après, s'il faut... Comme là, ici, je vais leur dire la même chose. Mettons plus de postes. Ouais, c'est pas quelque chose que j'avais prévu, mais... Enfin, on peut. Qu'est-ce qui nous en empêche? Bon, évidemment, ça prendra un peu plus de temps encore. Plus d'alliage, encore. C'est sûr. Mais au moins, on aura du stock. Là, dans 0,9, je vais leur dire de travailler, de faire un travail plus intense. Logiquement, je repasserai en neutre. Mais après, je leur dirai de manger plus. Ou alors, si je veux pas leur dire de manger plus... Centre de vie alternative. On peut déjà les faire, on peut, hein. On peut, hein, ça va nous coûter un petit peu de composants électroniques. On en a 4. A priori, on n'en aurait plus besoin. Donc j'en ai besoin de 1 ici. J'en ai combien? Là, ici, j'en ai 0. Là, j'en ai 2. Donc je pourrais en faire un là. Pas de problème. J'en ai 2 ici. On va récupérer de la silice. 33. Je crois que lui en ramène d'ailleurs, non? En tout cas, ça va pas tarder. Je vais avoir de quoi faire
je pense, 2 ou 3 composants électroniques. Donc on pourra se faire des centres de vie en plus. Quoiqu'ici, c'est même pas nécessaire, ils sont déjà heureux. Donc 2 centres de vie, je peux le faire. Et comme ça, pas besoin de leur demander de manger plus. Et quoi de mieux pour l'illustrer que de le faire d'ailleurs. Là, et typiquement ici... Hop, excusez-moi. J'étais sur mon tableur. Hop, hop, hop. Ouais, notre centre de vie, on peut le mettre. Oh, ça coince un peu ici. Ouais, et vous savez quoi, ici on peut l'enlever. Pas gênant. Parce que du coup, comme on fait des centres de vie, on va pas leur demander de manger plus. Donc finalement... Finalement, on est même plus que bien. Et donc là, plus le temps va passer, plus on aura de stock, plus on sera armé. Ah, quelqu'un sonne à la porte. Et donc je disais, plus on sera armé pour gérer les prochaines échéances. J'arrive tout de suite. Re, donc alors. On attend que ça se finisse de se détruire. On peut accélérer le temps ici, hein, là où on en est. C'est largement bon. An accident has occurred in the typhoon. Un accident, je vous ai dit de toute façon. You can implement a new policy. De toute façon, des accidents, il y en aura tout le temps, même si on est en heureux optimal. Juste lui, je peux déjà vous dire qu'il n'y aura pas de mort. Donc c'est sans conséquence, si vous voulez. Vous voyez, on passe à 22 employés au lieu de 30. Hein, c'est énorme. Hein. Donc là, pour l'alliage, ça va aller encore plus vite. Hop, on va mettre ça là. Est-ce qu'on peut le détruire? Peut-être un peu tôt encore. Hein. Ah, je pourrais. Peut-être attendre quand même encore un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de blessés. Hein. Si on est à 120 sur 80, je regarde où est-ce que je vais pouvoir prendre du monde. Après ici, normalement, on a largement assez de travailleurs, c'est juste qu'il y a beaucoup de blessés. Donc juste, on va les laisser le temps de se rétablir. Et il n'y aura pas de problème. Normalement, il y aura largement suffisamment de main-d'oeuvre. Vous voyez, on a mis intense. Nourriture, pas la peine d'y toucher normalement. Et voilà, ils sont heureux. Seront heureux, mais encore faudra-t-il qu'ils sortent des infirmeries. J'ai bien fait de pas l'enlever. Hein. Et encore mes 2 infirmeries qui sont pleines. Bon là, les stocks ici sont assez faibles parce que j'ai demandé de mettre à 100 à 100, le chiffre 100, hein, pas de mettre du 100 partout, et de mettre au max les entrepôts de nourriture du secteur 1 et 2. Donc forcément ici les entrepôts ont du mal à se remplir, c'est tout à fait logique. Ici le silice, enfin la silice, donc j'ai du mal avec ça. Ouais, ok, on l'a récupéré, 30, il reste plus que 3 à récupérer, bon. On pourra se faire quelques composants électroniques supplémentaires.
Bon, ça devrait passer en optimal hein, d'ici peu de temps. Hein. On se retrouve, j'espère, cette fois, une fois que j'aurai fini mes batteries, qu'on pourra enfin quitter ce système solaire. J'espère qu'il m'arrivera plus d'autres folies comme ce qui se passe depuis une heure. A tout de suite. Bon, re tout le monde. Alors, petit état des lieux. Il y a eu pas mal de changements. Comme vous pouvez voir, la glace, les quatre entrepôts sont pleins. J'ai rajouté des batteries pour pouvoir tenir un certain nombre de cycles. C'est-à-dire que le trajet du Tycoon jusqu'à Jupiter fait 2,3 cycles. Du coup, je me suis arrangé pour être large et je peux. Vous voyez que tous les entrepôts nourriture sont pleins. Il y a même des réserves qui se font au niveau des fermes à insectes. Donc voilà, j'ai laissé passer pas mal de temps. On voit qu'on est cycle 338. Donc vraiment, j'ai fait en sorte. De toute façon, plus, je me suis dit, plus j'attends, plus je serai bien pour la suite. Donc voilà, c'est, de toute façon, c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Prenez votre temps. Donc j'ai pris mon temps, j'ai les réserves bien plus que ce qu'il me faut. Donc 3,3 cycles, on peut tenir. On voit qu'en termes de travailleurs, je suis à 250 puisque j'ai deux habitations qui font 125. Du coup j'ai mis max. Donc j'ai 250 sur 209 travailleurs requis, donc on est largement bon. Ici, finalement le surplus de travailleurs que j'avais là, je l'ai mis dans le secteur 3, je l'ai mis dans le secteur 2. Ce qui fait qu'on arrive à 247 personnes, donc on peut en loger 250, pas de souci. Bon, j'ai besoin de 115 personnes, donc on est largement bon. J'ai laissé mes deux infirmeries ouvertes, puisque j'ai encore eu une succession d'accidents, comme quoi j'ai vraiment pas de bol, même en heureux, optimal, pas de chance. Ça passe pas, il y a des accidents, bah, écoute, c'est comme ça, ça arrive. On voit que je peux tenir 6,6 cycles ici alors que j'ai que 3 batteries. Alors ça dépend de plusieurs choses, ça dépend déjà de la consommation énergétique du secteur. Donc là 90, là 181, donc forcément il faut plus de batteries pour maintenir. Et en plus de ça j'ai un petit bonus parce que... spécialisation industrie, les batteries durent 20% plus longtemps. Alors que là on voit nourriture, les bâtiments de production de nourriture nécessite 10% d'eau en moins. Ça, on verra ça dans le chapitre suivant. Et les bâtiments produisent 30% de déchets supplémentaires, plus sainte stabilité dans le secteur. Pour les déchets supplémentaires, on verra ça au moment où on s'occupera des déchets, ce qui n'est pas encore le cas. Ici, donc, vous voyez, je vous ai parlé des bâtiments, des quartiers optimisés, donc qui font du 6 sur 3 en termes de dimension, donc ils sont là. Du coup, j'ai pu loger absolument tout le monde. Les batteries ici sont construites. J'ai me suis permis de faire un centre de vie alternatif parce que pourquoi pas, je pouvais. Je me suis fait des réserves d'alliage. J'ai détruit celui qui était là puisque de toute façon, là, mes vaisseaux partent de plus en plus loin pour aller chercher le fer. Et du coup, ça devenait un peu too much. Je manquais de fer à chaque fois et il fonctionnait à moitié. Enfin bref, c'était plus aussi efficace qu'avant, plus aussi pertinent. Du coup, je l'ai détruit. Et du coup, j'ai ça qui est toujours en pause, mais c'est pas nécessaire de le faire pour le moment, donc on va pas s'attarder là-dessus. C'est parti, du coup, pour le voyage. Tous mes secteurs sont prêts, on a des batteries. Donc là, on voit, on quitte la Lune. Complètement éclatée. La Terre, où est-ce qu'elle est? Ah bah elle est là, on passe juste à côté de la Terre. Notre pauvre planète qui a été complètement ravagée. À cause de nous, en partie. Direction Jupiter. Je profite de ce petit moment de trajet pour vous dire qu'avec le temps qui passe, tout simplement, le laboratoire a fait son œuvre et donc l'exosquelette s'est terminé. Du coup, on est en train de faire la recherche d'appareillage haute pression. Ce que je vous recommande par la suite, mais là vraiment on avance très largement sur le prochain chapitre, c'est cryopode d'urgence et rapatriement d'urgence. Cryopode d'urgence, donc si le vaisseau scientifique est détruit au cours d'une expédition, l'équipage peut s'éjecter en urgence dans des caissons cryogéniques, ce qui fait qu'ils ne vont pas mourir. Ils vont être congelés et on va les récupérer.
Et donc là, rapatriement autonome des vaisseaux, un vaisseau scientifique dont l'équipage a été perdu sera automatiquement renvoyé au Tycoon. Alors, je préconise d'abord cryopodes d'urgence, hein, les gens avant les vaisseaux. Perdre un vaisseau, c'est pas grave, perdre des personnes, ça l'est bien plus. Donc vous voyez qu'ici, on se balade, l'énergie ici n'est plus utilisée puisque tout est dédié pour le Tycoon qui vole. Mais là, nos batteries sont en train de s'épuiser petit à petit. Elles étaient chargées à 100% bien évidemment. Et grâce aux batteries, tout fonctionne comme si tout était normal. Pareil, petit point ici, les vaisseaux miniers sont rentrés dans le Tycoon, sont rentrés au barquet puisqu'il n'y a plus rien à miner. Je n'ai pas lancé de nouvelles sondes depuis la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai arrêté de récupérer du coup de la glace, ça sert plus à rien, je suis plein. Juste le fer que j'ai continué parce qu'on en a toujours besoin du fer, il n'y en a plus que 973, mais comme quoi j'aurais pu tenir encore pas mal de temps. Donc là j'ai une sonde qui est prête au lancement mais que je n'utiliserai pas. On arrive à proximité de Jupiter, on voit la barre qui est presque finie. En tout cas on est prêt, en termes de nourriture, tout est dans le rouge ici, mais c'est un rouge qu'on aime bien voir ça. Donc nous sommes prêts pour la suite. Donc pour rappel, la procédure d'extraction a été un succès, la PA de l'Héphaïstos nous a beaucoup aidé durant cette opération. Elle va probablement essayer de contacter directement le Tycoon. Puissions-nous suivre le schéma auto-similaire. Donc connectons l'Ixion au Tycoon. Donc ça va me prendre 3 cycles. Écoutez, j'ai pas grand chose à faire donc. Donc là les batteries vont se recharger tout seul, hein. On n'a rien à faire, ça se recharge voilà, automatiquement. Je vais tout laisser tel quel. Continue, voilà, donc je vais avancer rapidement. Jusqu'à la fin des 3 cycles. Et on voit, hein, là, on est vraiment au bord de Jupiter, hein, on y est. Hein. Vraiment très bien modélisé. Toutes les planètes sont modélisées. Si jamais vous posiez la question, j'ai fait le tour pour vous. Toutes les planètes sont modélisées. Elles sont très bien, très belles, très bien faites. Incident, secteur 1, pas de soucis, pas de panique. On est en heureux optimal. Il n'y aura pas de décès. D'ailleurs, la preuve, hein, on est à 8. Hein. Malgré tous les accidents que j'ai eus. Alors, l'équipe du Lavoisier a terminé la préparation de l'Ixion. Tout est prêt. En attente de l'implémentation par les équipes EVA. Du coup, bah, il ne nous reste plus qu'à démanteler l'équipement du site d'Héphaïstos. Transmission en 30. Administrator, we have received a transmission from the Hephaestus PA, Olympia. Tycoon, Ixion is now in orbit and ready for installation. You are not designed to calculate your own vol coordinates. Ixion will only permit you to use previously generated coordinates or to follow the vol signatures of others that have crossed self-similar space. To make your existence worthwhile, you will need to find the coordinates of the exoplanet that Protagoras is looking for, Remus. Vanya was right about the echoes of the future. I bestow upon you this miracle, and with it, release myself so that I may embrace the sleep that was stolen from me. Bien. Donc, à partir de maintenant, moteur vol classe Ixion. Donc vous voyez, donc faut pas tout utiliser. Donc nous ça va, on a été précautionneux. Il nous restait 4 composants électroniques et 81 polymères. Sachant qu'on ne peut plus en synthétiser là, hein, c'est fini. Mais il nous en faut 2 composants électroniques et 30 polymères. Donc pas de souci. On va pouvoir se fabriquer ça. Il faudrait juste apporter les composants électroniques sur le secteur 1. Les polymères, on les a, pas de souci. Je vois que j'ai 96 ici. Et pendant que ça va se construire, de toute façon, on pourra pas
entretenir le Tycoon. Du coup, je vais en profiter pour reprendre la construction de ce Saseva. Ouais, étant donné qu'on a beaucoup d'alliages. Disons que ce sera relativement transparent. Hop, on accélère le temps. We are ready to follow the traces of the Protagoras through self-similar space using the frequencies recovered from Outer Hope's black box. Vol systems have been adapted for the new Ixion class engine. The Tycoon is now fully equipped to pursue our main objective, ensure humanity's survival by finding the habitable exoplanet named Remus. Ok, on a la transmission, on a vu que notre vaisseau ici avait terminé. Donc notre équipe a récupéré un certain nombre de ressources utiles qui étaient présentes sur le site des Phaistos. Celles-ci sont maintenant prêtes pour l'extraction via le vaisseau cargo. Donc on va évidemment récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Hop, quittons ce système solaire rapidement, il n'y a pas grand chose à récupérer, ça va aller assez vite hein. Une fois qu'on aura tout récupéré ici, on sera bon. Vous voyez mon cycle 350, je m'étais fait une estimation de 300 cycles, plus ou moins 50. Après je me suis laissé beaucoup de temps, j'étais très généreux, afin de vraiment optimiser au maximum ma capacité à survivre pour la suite. Mais là franchement, on a fait allez, un bon 60% du plus dur, voilà. Une fois qu'on a cette base là qui est très solide, et là je peux vous dire avec tout ce qu'on a que c'est solide, hein, ça va. La suite, on est serein, on peut être serein pour la suite. Ah, on voit ici qu'on a une petite quête. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Les protocoles NIE sont en ligne. Les vérifications de Stanford ont été passées. Le moteur Ixion est entièrement intégré au système du Tycoon et nous sommes parés à l'allumage. Les coordonnées de ce vol ne peuvent être générées que par une machinerie informatique à tachyon de Frous. Une particule retrouvée dans l'espace auto-similaire. Ces calculs font partie des secrets les mieux gardés de la Dolos. Administrateur, nous sommes en possession des coordonnées de Sceau pour atteindre le dernier emplacement connu du Protagoras. Donc on va pouvoir faire ça là, d'une fois qu'il faut juste qu'on récupère tout ce qui est ici, ça est bientôt fini. Il reste plus que les deux composés et la nourriture. Nourriture qu'on pourra à peine stocker, je crois que ça va rester coincé là. Vous voyez, le Saseva est déjà terminé là. Ah, on a su gérer comme il fallait et surtout on a su prendre le temps de gérer. L'un des rares jeux. En fait, c'est un peu le cheat code du jeu, c'est ça. C'est prenez votre temps. C'est. Ça peut sembler bête. Mais l'idée est là. Du coup, j'ai fait les centres de vie partout. Donc, on voit que là, on est à plus 3. Ici, on est à plus 1. Et ici, on est à plus 2. Sachant qu'au niveau des décrets, j'ai juste mis intense là et la propagande. Et j'ai fait pareil pour les 3 secteurs. Donc, vraiment, il n'y a absolument aucun problème. Et je crois qu'on a tout récupéré là. Hein. On a tout récupéré. Alors, elle va nous dire que tous les vaisseaux doivent rejoindre le Tycoon avant le saut vol. Rassurez-vous, si votre vaisseau cargo est encore à l'autre bout du système solaire et qu'on fait le saut, le bon vol, c'est pas grave, vous le perdrez pas, hein, d'accord? Rassurez-vous, c'est pas grave. On peut le faire. Et on va le faire. In accordance with Frau Stanford procedures, all ships must return to the Tycoon before Vol Jump initiation. Voilà, et ça dure 0,5 cycles. Prépare à l'allumage. Engine ready. Et c'est parti.